It is the Saturday, May 4, 2013, and as a matter of fact, we came to you because you run a non-governmental organization known as Women and Girls in ICTs. And given that we are in Cameroon and Cameroon is a part, a very important part of Africa, we'd want to know exactly from you why you actually took upon yourself this initiative to train young girls on ways to use ICTs and make proper use of ICTs to become self-reliant in the professional milieu. And what are these women's stories and experiences on the use of ICT tools? Donc, on vous remercie déjà de nous avoir accordé votre temps pour parler des TIC qui approfondit beaucoup de projets de développement dans la société et aide beaucoup de femmes à être indépendantes par rapport au travail. On comprend que vous êtes en train de... Vous êtes chef d'un organisme ou un organisme, j'espère que je ne me trompe pas, qui s'appelle Women and Girls in ICTs. Pourquoi cette initiative et quelles sont les histoires et les expériences des femmes qui sont membres de ce groupe par rapport à l'utilisation des TIC? Ok, merci de me poser ces questions, de vous intéresser à Women and Girls in ICTs. En fait, le groupe de travail Women and Girls in ICTs en français, femmes et jeunes filles dans les TIC, c'est une initiative qui naît de iVision International déjà, qui est une ONG de la place. En fait, moi étant employée chez iVision, on a décidé de créer une entité indépendante, c'est-à-dire qui devait s'occuper uniquement des femmes. La mission de notre groupe de travail déjà, c'est de utiliser les différentes opportunités que les TIC offrent pour aider les femmes à devenir, c'est-à-dire une sorte d'ambassadrice des TIC de façon à pouvoir s'autonomiser. Qu'est-ce que je veux dire par là? On constate que les femmes ne sont pas très... c'est-à-dire dans notre société africaine déjà, le problème d'émancipation de la femme, d'autonomisation, ce sont les problèmes clés au centre sur lesquels sont un peu, excusez-moi, focalisés les sujets de développement. Alors les TIC arrivent au secours des femmes. On a l'intention de former des femmes, c'est ce qu'on appelle du renforcement des capacités, de façon à pouvoir utiliser l'outil TIC, non pas seulement comme on a constaté, comme un divertissement, non, mais comme un outil de travail. C'est-à-dire, les femmes devraient pouvoir se mettre sur Internet, quelle que soit leur formation de base ou même sans formation du tout. C'est-à-dire, une fois qu'on leur apprend à utiliser l'outil TIC, elles peuvent faire leur commerce en ligne, elles peuvent nouer des relations d'affaires et autres. C'est un peu la vision de Women and Girls in ICT. Maintenant, quelles sont les opportunités qu'offre le TIC à des femmes et quels sont les témoignages de ces femmes qui font partie de Women and Girls in ICT? Voilà. Les TIC offrent de larges possibilités, beaucoup de possibilités aux femmes. Déjà, si on parle dans le domaine économique, aujourd'hui, on voit qu'il y a eu, j'ai vu un truc sur des agricultrices, je crois au Rwanda, quelque chose de ce genre, qui carrément expose leur production via Internet et comme ça trouve des gens qui s'intéressent, qui ont financé, c'est-à-dire se sont mises en sorte de coopérative, voilà, et exposent leur production sur le net, trouvent des financements. C'est-à-dire qu'elles partent de la petite cultivatrice dans un petit village à la femme qui se retrouve en train d'être financée et faire de grosses plantations de façon à pouvoir exporter sa production. Et aussi, les TIC, ce n'est pas seulement pour le volet économique. Par exemple, les femmes peuvent utiliser... Il y a un sujet qui était d'ailleurs le sujet phare dernièrement lors de la journée internationale de la femme, les violences faites aux femmes. Le TIC aujourd'hui permet aux femmes de dénoncer les violences. On a vu, je pense, en Éthiopie, si je ne me trompe pas, ou c'est en Somalie, des femmes qui se sont organisées en réseau
pour combattre les violences faites aux femmes. Tout ça grâce à elle. Les dénoncer, publier. Donc les TIC servent à ça, à attirer l'attention, toucher un large public. Autant d'opportunités. Diriez-vous que la femme africaine n'a pas l'accès adéquat à des TIC et n'utilise pas bien les TIC? Bon, l'accès adéquat, c'est vrai que si on rentre dans nos petits sondages, on va se rendre compte que oui, l'accès adéquat, pas du tout. Les femmes ont une utilisation un peu péjorative des TIC, c'est-à-dire les TIC ont été perçus d'une certaine façon au quartier, tel que on en arrive à blâmer les jeunes filles qu'on trouve à longueur de journée dans un cybercafé ou à la maison sur internet, et pourtant qu'il ne faut pas. Tout simplement parce qu'on se dit que si elle est à longueur de journée devant son laptop ou dans un cybercafé, c'est parce qu'elle est en train de... Elle s'inscrit dans des sites de rencontres, elle risque de faire une connerie, peut-être elle va entrer dans des sites pornographiques. Et pourtant, on ne devrait pas en arriver à interdire à nos jeunes filles d'aller sur le net. On devrait plutôt les encourager dans la mesure où on devrait leur montrer ce qu'elles devraient aller faire sur Internet. D'où intervient notre mission de formation et renforcement des capacités. Mmh. Maintenant, après avoir formé des personnes sur les différentes options et opportunités de la TIC, est-ce que vous gardez contact avec eux pour savoir ceux, celles qui ont trouvé le travail, pour mieux le canaliser aussi dans la sphère professionnelle, puisque c'est quelque chose comme quelque chose de nouveau pour eux? Bon, pour être tout à fait honnête, notre groupe est encore très jeune. Bon. Des gens ayant déjà été formés, ça c'est dans le cas de High Vision, mais dans le groupe des femmes, le groupe est en train de se mettre en place. Donc on a encore nos objectifs à atteindre. Donc nous n'y sommes pas encore. Y aurait-il une différence entre les TIC et la technologie informatique? Non, pas du tout. La technologie informatique fait partie des TIC. Les TIC sont larges. Dans les TIC, on a le téléphone portable, on a la technologie informatique, on a Internet, on a la télévision, on a la radio. Donc c'est tout ce vaste champ, quoi. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez amener des femmes, ou encore avant d'y arriver là, comment est-ce que vous ramenez des femmes au centre des TIC pour leur propre développement dans la société? C'est ce que nous avons l'intention de faire. Comment est-ce qu'on va procéder? C'est-à-dire, on essaye de toucher les couches sensibles. Bon, on va dans tous les sens, mais beaucoup plus on fonce vers les couches sensibles, c'est-à-dire les femmes qui n'ont par exemple pas eu l'opportunité de faire des études, qui n'arrivent pas très bien à s'en sortir, qui se plaignent, où elles font des petits commerces, où elles sont coiffeuses, elles sont agricultrices, mais à très faible échelle. Bon, maintenant, on repère ce genre de personnes et on les amène, on les forme, on leur montre qu'elles peuvent améliorer leur vie. Les TIC peuvent les aider à partir du petit commerce au commerce à grande échelle. C'est à peu près la vision, quoi. Mmh. Merci beaucoup pour votre temps et on espère bien que les femmes vont vous suivre dans vos initiatives et dans vos projets pour comprendre l'apport du TIC dans la ville et la société, voire la communauté entière. Ok, c'est moi qui vous remercie de porter un intérêt à notre travail. Grâce à vous, nous sommes sûrs que ce que nous faisons aura un écho favorable auprès des populations. Merci. And there we were talking to the leader of women and young girls in iCities in Cameroon, a branch of iVision, telling us exactly what your objectives are in terms of bringing the iCities to the center of social development. You know, we have many people having adequate access to the iCities, but many of them do not know how to use them properly. I won't go to tell you that I spend at least 6 hours per day on Facebook. I'm a worker. And what more if someone who does not work or someone who does not go to school could spend 24 hours on Facebook?
and many a times just to chat. Others can use it for publicity, others can use it to get partners, others can use it to study. Yes, you can create many, many relationships on Facebook, but why not go there with a vision, just like I vision, an objective to kind of step up your intellectual IQ, know exactly what you're going to get there in terms of economic partnerships, and even bring a lot to the social development of your society. That's what I am doing with Voice of the Voiceless on episode number 37. It's going to be a live cast on STV on Saturday, the 4th of May, 2013. You join us and you share your stories with us. Tell us if you've been victims to ICTs, the wrong use of ICTs, because if you do not use it properly, you'll suddenly be a victim. If you're going on Facebook to get a white husband, you'll probably be a victim. If you're going on Facebook to scam somebody, you'll probably be a victim. And if you're going on Facebook without any reason, you could just be hacked. So you join us and watch that episode and clarify yourself, edify yourselves on how to use ICTs. We have experts from iVision, experts from Plan Cameroon, and many more people will be sharing with us so that you can learn a lot on how to use ICTs. I'm Amy Banda. I'm with my great cameraman right here with me. I hope you can see him too. Working with me at STV, iVision, Women and Girls on ICTs. Stay tuned.